Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 1h10, 1h10 de pêche. Je suis levé si tôt pour pêcher 1h10 au spot que j'ai envie de pêcher. C'est parfois risqué de faire ça, mais en général ça en vaut la peine. Donc faut que je fasse vite, tout en étant prudent. On se retrouve dès que la lumière le permet pour vous faire quelques images en espérant, enfin quelques images. Pourquoi pas quelques poissons, ce serait cool. A tout de suite les amis. Allez, pose sur image quand même. Comment je peux me retrouver dans des situations comme ça? Qu'est-ce qui me pousse à être les pieds semi dans le vertige? Ouh, hop là. Alors qu'il fait nuit, à votre avis? Ce truc a un nom, ça s'appelle le bar. Le bar et la mer. La mer n'attend pas. Les marées, c'est les marées, les conditions sont les conditions. Et on n'est jamais sûr d'avoir de bonnes conditions dans deux jours. Oh. Enfin. Première touche, premier poisson. J'aurais pensé que ça aurait été plus rapidement dans mon rêve. J'étais au balaf, j'ai rien eu. Je suis passé au Wobbly PDM en 10 cm. Ouais, c'est une vraie touche. Une vraie touche. En lumière. Un beau petit poisson. Évidemment, là, j'ai pas longtemps de pêche, je vais pas passer à côté du coup. Super. Déjà, au moins un poisson. Ça, ça fait du bien. Réveiller si tôt pour pêcher si peu longtemps sur le spot. Ça fait comme du bien qu'il y ait un poisson ou deux. Alors que j'étais presque partant pour passer en surface. Avec un bon petit coloris blanc là. Et puis ça peut prendre pour du PDF, on va continuer pour voir un petit peu. Merci. Regardez comment je me suis mis haut par rapport à l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux vous le dire en ramenant le poisson. C'est pas un gros poisson. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils vont être tatillants. Et en fait, en me mettant plus haut, je fais... Ah, viens, viens, je vais me faire casser. Je vais pouvoir faire planer mon leurre beaucoup plus longtemps. Et une nage beaucoup plus rasante par rapport au fond. On va voir si ça marche, ça demande de l'effort, de remonter, de redescendre, de remonter, de redescendre. Mais la pêche du bord, c'est de l'effort. C'est pour ça que je l'aime. Les récompenses sont plus belles lorsqu'il y a de l'effort. Il est tout blanc là. Hein. Il est tout blanc le bord. Vous allez voir, si je peux le revoir après, avant que l'eau les prenne, vous allez voir, ils sont tout noirs. Ils se miment. J'ai l'impression que même les macros, c'est magique hein, de pouvoir se mimer par rapport à son environnement. Moi, je suis obligé de mettre des habits Sims. Oh, la touche qui m'a fait des... Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Incroyable. Oh la touche. Ils sont tous calibrés pareil. Hein. Une touche de qualité. Et hop là. Génial.
Je sais que ça fait des vidéos quand même assez brutes. Hein. Mais je pense que pour les belles vidéos, c'est vraiment ce qu'il faut sur YouTube. Si on veut se faire plaisir. Moi je le ferai de temps en temps, mais comme je l'ai dit, je... Wow. Voilà, être dans ma pêche est quand même... Ah, ça a l'air plus correct. Vite, 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 vite. Je crois que... Non, ça a l'air plus correct, c'est plus petit. Nickel. Encore le wobbly PDL pour le moment. Je change pas si ça prend. Hop là. Je disais, voilà, je suis plus... plus pêcheur. Ça vous fait pas penser à ceux qui sont là depuis le début? Dites-moi sincèrement, si ça vous fait pas un peu plus penser qu'au début, ça. Je partais à la pêche, j'avais juste une GoPro pour vous faire des images. Et des conseils. Des poissons et des conseils. Ça prend pas la pause, hein. Faut vraiment faire on s'est ramené sans coupure. Mais ce serait vraiment dommage de pas profiter d'une telle mer pour essayer de faire un bar au large du surface. Poisson superbe. Superbe. Bon là c'est vraiment pas un gros poisson. Mais là on essaie de bien le prendre. Hein. Par en dessous. Par en dessous, par en dessous. Bon, lui, c'est pas facile de décrocher. En fait mes mains font office de pince limite. Je mets mon doigt entre l'arbillon et la rampe de l'hameçon, je pousse pour éloigner un hameçon dans un premier temps, et après juste à faire l'effet inverse. Et j'enlève les... Et j'enlève le tout. Allez hop. Oh le soleil se lève en plus. Magnifique. Magnifique. Dans les nuages. C'est une sorte de boule de feu là. Oh. Superbe. Oh là là. Superbe. Elle est piquée comme le premier en surface. Incroyable. On a une technique. On rentre, on pousse. J'avais déjà un hameçon. Après je tourne. J'avais déjà deux. Ouais, c'est des poissons vraiment modestes. Mais bon. Il m'a ouvert un petit peu avec son... le bout de son éperfil. Ah, j'ai vu le fil. Incroyable. Ah, j'ai vu su se retourner sur l'heure, c'était magnifique. Ah ça y est, vous êtes nourri à nouveau en oxygène mon petit. Super.
Non, je vais me faire casser par un petit poisson comme ça. Mais... Ah, j'espère que le fluoro, la tresse n'est pas trop fragilisé. On va le prendre. Ouais. On va engammer le wobi. Engammer. Ouais, c'est un aquarium à... aquarium gratuit. Je vais essayer le néox. Les premiers mètres de tresse ont l'air intacts. Ah, c'est mort. C'est mort, la gomme. J'ai une belle entaille de... Je suis dégoûté. J'ai pas le temps de... J'ai une belle entaille en plein milieu. On va pêcher avec si peu ici de fluoro, donc il a gagné. Je plie et je vais voir si je pêche un petit peu en décalé. Je vais voir. Deg. Voilà les amis, fin de ce petit moment en ma compagnie, fin de cette micro-session. J'ai pêché 1h05. J'aurais pu pêcher 5-10 minutes de plus, mais voilà, le dernier bar m'a abîmé fluoro et c'était trop risqué de relancer avec. C'était à coup sûr la casse à la touche, clairement. Même des poissons modestes là qui font... Ouais, ça ne doit pas être bien lourd, mais avec la résistance, etc., ça aurait pété à la touche. Donc j'ai dû replier une dizaine de poissons en 1h05 de pêche à peu près. Donc je ne veux pas demander grand-chose de plus. C'était vraiment extraordinaire. J'aurais aimé un joli poisson dans l'eau, mais il n'y a pas eu et c'est pas grave. Vraiment, c'est une très très belle session pour la pêche du bar du bord, clairement. J'ai commencé rapidement... au ballast minot et pêche agressive et rien du tout, rien, pas la moindre tape. Donc après j'ai décidé de passer sur le fameux Woobly PDL en 10 cm, un leurre qui a quand même déjà bien morflé. Il a pris beaucoup de poissons celui-ci en coloris gold flash, même la couleur commence à y passer tellement qu'il a pris du poisson et ça fonctionne toujours. J'ai rentré beaucoup de poissons avec ça. Ensuite je me suis dit pourquoi se lever aussitôt sans faire au moins un bar ou deux au leurre surface. S-petite 125 blanc, dû à la luminosité, la couleur de l'eau, etc. Ça a marché, j'ai rentré 2-3 poissons à l'S-petite. Ensuite, à nouveau, plus rien en surface. Je suis repassé au Woobly PDL, toujours le même en 10 cm. Et j'ai rentré à nouveau quelques poissons. Pour le combo du jour, j'étais avec la Ilex Pepper Silver Bullet. Vous savez ce que je pense de cette canne. Le petit Zénon 3000 MSH. Petite tresse Moresan. En 8 centièmes, donc pêche assez fine, et un badling en fluoro néox en 23 centièmes. L'équipement du jour, donc petite entre guillemets publicité en fin de vidéo, et évidemment la superbe marque de vêtements. Pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Proverbe norvégien, merci à Sims France, by Le Rond dans l'eau, Julien, pour ta confiance. Je me sens vraiment équipé, prêt à faire face à n'importe quelle situation, n'importe quelle saison. Et rien que pour ça, un grand merci à toi. Et si vous avez une adresse, si vous voulez vous procurer de superbes vêtements de pêche, mais vraiment, ce qui se fait de mieux au monde, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, il est toujours là. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci pour tout. À bientôt.